Yann Moix figurait parmi les personnalités conviées sur le plateau de Quelle Époque. Ce samedi 25 février. Venu évoquer la couverture médiatique autour de l'accident de Pierre Palmade, l'écrivain a créé un gros malaise sur le plateau. Depuis le 10 février dernier, le nom de Pierre Palmade est cité dans tous les médias. Le comédien, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne, a été impliqué dans un grave accident de la circulation, près de son domicile de Célie-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. Outre Pierre Palmade, trois personnes ont été grièvement blessées, une jeune femme enceinte, qui a perdu son futur enfant, un garçon de 6 ans et son père, qui était au volant. Depuis, l'humoriste, qui a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants, est au cœur d'un véritable cirque médiatique, que Yann Moix a dénoncé sur le plateau de Quelle Époque, le talk show animé par Léa Salamé. Je ne sens pas d'empathie de la part de Pierre Palmade pour les victimes parmi les invités de Léa Salamé, ce samedi 25 février dans Quelle Époque, figurait Yann Moix. Le polémiste a notamment donné son avis sur la couverture médiatique autour de l'accident causé par Pierre Palmade. Et il n'a surtout pas hésité à désinguer l'attitude de l'humoriste qui manque, selon lui, d'empathie envers les victimes. Ce que je vais dire n'engage que moi, mais je vais le dire, car je ressens une chose qui est peut-être totalement gratuite et si cette chose blesse la famille de Pierre Palmade, je m'en excuse et j'assume. Je ne sens pas d'empathie de la part de Pierre Palmade pour les victimes, a-t-il déclaré, avant d'être coupé par Michael Youn, qui était également l'un des invités du talk show de France 2. Pour l'écrivain, Pierre Palmade devrait adresser une lettre publique à la famille victime de l'accident. Une lettre sincère, honnête, vraie qui dira exactement ce qu'il pense. Une lettre où il dirait, s'il vous plaît, voilà ce que j'ai fait. Je présente mes excuses aux victimes, j'irai jusqu'au bout. Dans une lettre bien tournée parce que Pierre Palmade est suffisamment intelligent, a-t-il ajouté avant d'être de nouveau coupé par l'ex-animateur du Morning Live. Il y a déjà eu 4 victimes, il ne faudrait pas qu'il y en ait une cinquième, dit Michael Youn. Il n'attendra jamais à ses jours, il s'aime trop pour ça, lance alors Yann Moix, créant aussitôt un malaise palpable sur le plateau. Pierre Palmade avait présenté ses excuses via sa sœur quelques jours après le grave accident de la circulation que Pierre Palmade a causé, sa sœur Hélène s'était exprimée dans un communiqué transmis à l'AFP. Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte, avait-elle déclaré. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait, a-t-elle ajouté. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possible. Il prie vraiment. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Lors d'une conférence de presse à Paris, l'avocat de la famille percutée par l'humoriste avait affirmé que les victimes et leurs proches étaient totalement insensibles aux excuses présentées. Article écrit en collaboration avec Cimedia à lire aussi affaire Pierre Palmade, l'acteur victime d'un AVC est transféré dans un autre hôpital.